L'autre chance sur le loot, il a été dégueulasse. Regarde nos poules qu'on a eu. C'est grave. Là, c'est mon stuff. Vas-y, prends mon poule. Voilà. Et les piantes, ça peut servir un moment. Ah ouais, dommage. Ah, donc. Oh, les deux, ils ont plus de shield. Ah, si, un. Il y en a un, il a du shield. Faut recharger le spawn, c'est ça qui nous manque, un spawn. Un putain de spawn. Et si on a le spawn, on a la game. J'ai du coffre. Le Marrakech. J'ai du coffre. Ouais, moi du coup j'ai ramassé un live. J'ai mis 2 en reine et j'ai mis go to go 300 points. Putain, ma play il fait un but d'aspirateur. Mais montre une photo de ta tête STP. Parce que moi je t'ai montré. Mais tu sais, je te jure, j'ai pas créé une shot. Screenshot. De toute façon, ça m'apporte rien. Hein. Pourquoi? J'ai bien vu. Ah, tout le monde voit bien la tête à Yanis. Hein. Attends, non, mais on s'en bat les couilles. Même moi, j'étais allé chez le coiffeur, mais on s'en bat les couilles. Coiffe-toi pas. Regarde Yanis, il se coiffe. Non, voilà, on s'en fout. Mais Yanis, il est joli. Il est tout beau, Yanis. Allez, montre-toi. On va. Là, du coup, on saute pas. Allô? Ouais, on est allé censé à Paradise. Ok, moi je vais aller à pression. Saute! Putain, le mec en pleine duo rien frère, il fait quoi? Il va se coiffer. Mais il a un problème. Il a un problème au cerveau. En pleine duo arène, tu vas me dire tu vas aller te coiffer toi. D'accord, t'es fille ou peut-être, mais nous non. Toi t'es fille, il s'en bat les couilles, il est malade, il va aux toilettes en skirmish et tout, mais bon. Nous on n'a pas son niveau. C'est toi? Une tête d'armoire, hein. Non, je rigole, je sais pas, c'est ok. T'avais Nolan, je sais pas quoi, là, qui fait que de rejoindre ce cochon. T'as le mec en pleine joie, il va se coiffer. What? Tu t'es coiffé? Ah, t'as mis du gel? T'as mis du gel? Ah, mais toi aussi, t'as des bugs. Allô? Allô? Wesh! Pourquoi t'as quitté. Là, tu peux quitter Nolan. Oh, comment j'ai bug? Jérémat, pourquoi t'as quitté Avocat? Je sais pas, gros, ça m'a fait bugger. What? Bah, est-ce que tu peux la rejoindre? Ouais. Tu peux quitter Nolan, je te connais pas. Si je rien vas-y je t'ai invité dans la week-end. Ouais. Allô? T'as des bagues comme moi. Non arrêtez, ça se fait pas, tu me. Mais de toute façon t'es plus joli que moi. Hein.
Allô? Sincèrement, ça c'est pas de se moquer, en plus c'est plus joli que moi. Mais t'as des becs toi aussi. Comme moi. Ah, ouais, moi ça fait même pas une semaine. Sur moi. Ça va, ouais, ça va, t'as. C'est des mecs, hein. Ah, sur toi. Frère, mon shoot. C'est quoi mon shoot de poney? Nice. Mais c'est gros, arrête de traverser mes construits. Non, pas encore. J'en ai tué un. Oh non, dommage, il me met 73. Putain. Tiens, c'est cool. Ouais, ça va, t'as un mini truc. Attends, je vais juste sur ton live et je vais mettre un lien de ton live ici. Attends, je vais juste sur ton live et je vais mettre un lien de ton live ici. Ah, j'ai mis le lien de ton live sur mon chat. Au moins s'il y a des gens sur mon live, bah au moins ils iront sur ton live. Au moins s'il y a des gens sur mon chat.
Regarde ma. Mais ça va ta tête arrêtée. Mais attends, toi t'es musulman? Ah, parce que je me suis dit au début, tu vois, quand tu connaissais quand même beaucoup de mots, tu vois, ça va. Et du coup, je me suis dit peut-être que t'es musulman et après j'ai vu ta peau, tu vois. Moi je suis Max. Je suis pas raciste, hein, loin de là. Mon ancien meilleur pote, enfin maintenant c'est mon pire ennemi, et bah il est blanc. Aussi. Gros, t'as mis du gel et tu t'es coiffé en pleine URL juste pour m'envoyer une photo. Moi, gros, je me suis pas coiffé, hein, même si je suis allé chez le coiffeur. Il y a du monde sur moi, j'ai pas d'armes. Ça me casse. Et ça me casse les couilles, ça. Ouais. Je te laisse. J'ai pas d'armes. Ah si, j'ai un pistolet. Il est sur moi. Allez, il est sur moi. Mais c'est vraiment carotte. Putain, ça me casse les couilles, gros. Tu spawn, non, mais il a déjà un mec avec un pompe. Putain, t'es mort. Toi, t'avais un pompe chasseur, non? Moi, y en a un, j'ai mis un. Je sais pas combien. Tu vois? Putain, on a des games retour au lobby, fou. Mais tu sais ce qu'il faut faire? T'arrives à mettre des liens? Et bah sur le live que t'avais fait où il avait 6-7 personnes, tu mets un lien. Tu mets le lien du live que par exemple t'es en live. Tu partages le live sur l'autre live. En gros, tu mets un lien sur l'autre live. Parce que tu peux quand même envoyer des messages, même s'ils coupent. Vas-y. Bah, j'espère. Allez, la chérie. Oui. Non. T'es qui, Nico Programmer? Ah oui, ouais. Ah oui. C'est un pote à moi. Il va l'appeler. You speak French. Ouais, je parle français. Il a fait ouais, je parle français. Moi, je l'ai mis au son exprès pas. Au moins, le pauvre, il part tout seul. Non, viens. J'ai cassé les peurs. Ça me casse les bonbons, ça. Tu spawns, on parlait combien? L'autre il a un. L'autre il va avoir un pompe. Il va avoir un pompe, on parlait combien? On peut. Oh, c'est un peu. De toute façon, moi je l'ai mute. Il parlera tout seul. En plus, c'est en anglais.
Tu parles, Philippe. Y'a rien. Non, bon. Let's go faire top 1 avec ce stuff là. Nous sommes très très bien partis. What? Le mec il tire à côté de moi, il me touche. C'est quoi sa chatte? Bah moins 18 hein. Moins 18. Regarde, attends, là je regarde mon live, moins 18, moins 18. Allez, moins 18, moins 18, moins 18. Allez. Tu connais Cameron Boys? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Est-il arrivé à Cameron Boys? Bonjour et bienvenue à tous. Une nouvelle tragique a été annoncée le 6 juillet dernier. Le jeune acteur Cameron Boyce, star de Disney Channel, est décédé alors qu'il était à peine âgé de 20 ans. Malheureusement, ce jeune talentueux était atteint d'une maladie qui a fini par l'emporter durant son sommeil. Cette atroce nouvelle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble du monde cinématographique. Il était fortement apprécié pour ses rôles dans la saga Descendants et dans la série Jesse. Sa soudaine mort a laissé bon nombre de ses fans avec moult questions. Mais pas de panique, on va tout vous expliquer. Avant cela, revenons d'abord sur son riche parcours professionnel. La carrière de Cameron. Né le 28 mai 1999 à Los Angeles, Cameron Boyce entame une carrière en tant que mannequin alors qu'il était âgé tout juste de 7 ans. Il est ainsi apparu dans plusieurs catalogues, dont celui de Disney Store. Cependant, c'est en tant qu'acteur qu'il était le plus connu. En effet, il s'est avéré être extrêmement talentueux quand il s'agissait de jouer des rôles. C'est ainsi que sa carrière d'acteur a rapidement pris racine. Jusqu'en 2007. Bonjour et bienvenue à tous. Notre planète compte plus de 7,5 milliards d'êtres humains. Et pied droit mesurait 40,1 cm, tandis que le gauche atteignait 39,6 cm. 4 ans plus tard, les pieds de Jason avaient encore grandi et atteignaient respectivement la taille impressionnante de 40,55 et 40,47 cm. Ce qui l'amena à contacter à nouveau le livre Guinness des records pour confirmer un nouveau record. Évidemment, il doit porter des chaussures sur mesure, car ses pieds ne rentreraient dans aucune paire de chaussures standard. Dans sa vie, ça a raté le petit celui-là. Il ne trouvait pas de chaussures à sa... Mais là, sale blanc. Putain, gros, on a trouvé un premier chasseur en 3 games. Mais allez, 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 hein. En plus, il me dit. Wow. Mais gros, putain, ta mère la cochonne des... Ta mère la schtroumpf, voilà. Sa pointure et ce vie obligé de porter des sandales fabriquées à partir de vieux pneus et de tissus. Heureusement, le chausseur expert George Welles finit par lui offrir ses services. Administration aux États-Unis. Seulement à cette date, Carson était déjà devenu bleu. Paul déménagea d'un état à l'autre à la recherche de conseils médicaux, mais aussi comme invité dans différents talk shows dans cette couleur de peau suscitait l'intérêt. Il rencontra par la suite sa bien-aimée Johanna qui l'épousa. Même si Carson parlait de sa maladie avec humour, disant qu'il en avait assez du bleu et qu'il était impatient d'essayer le vert, sa couleur de peau l'embêtait beaucoup.
D'après les examens médicaux de l'époque, son état de santé était bon, mais en 2013, après avoir fait une crise cardiaque et un AVC, l'homme bleu décéda à l'âge de 62 ans. Les cils de Yu Yongxia ont une longueur impressionnante de 12,4 cm, ce qui pourrait même pousser à les confondre avec des moustaches. À titre de comparaison, une canette de soda mesure 11,5 cm de long. Mais ce n'est pas son look unique qui lui a permis d'atteindre ses objectifs professionnels. En effet, après avoir travaillé pendant longtemps pour une grosse tête. Investissement, elle prit sa retraite et devint plus proche de la nature. Elle déclara aux médias chinois que c'est à ce moment-là qu'elle remarqua que ses cils étaient en train de s'allonger, alors que jusque-là, ils étaient normaux. Elle devint connue sous le nom de la fée des fleurs, après s'être consacrée au jardinage et à la création de plus de 1600 variétés de roses. D'après vous, existe-t-il un lien entre son nouveau style de vie et l'allongement de ses cils ? Tatiana Kashirina est une championne d'haltérophilie russe de 27 ans ayant remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été de 2012. Elle concourait dans la catégorie des 75 kg et elle a remporté sa médaille grâce à un lever de poids total de 330 kg et un record mondial à l'arraché à 148 kg. Beaucoup l'appelaient la Wonder Woman russe, et ce pour une bonne raison. En effet, elle a remporté 5 fois le championnat du monde et 7 fois le championnat d'Europe d'haltérophilie dans les catégories des 75 kg et des 87 kg. Bonjour. C'est l'une des femmes russes avec qui... ce jeune homme... Allô. You speak French? D'accord. Est-ce que là tu me comprends? Moi, je suis pas allé parfaitement. Où t'es allé? Vas-y, je suis arrivé en bulle. Oh, la tête d'homme, gros, on meurt. Notre spawn, ça va être. Il y a un spawn, ça va être même pas une vie. Que des retours le bip. Tu me crois, j'ai perdu plus de 10 points. 17 points, je crois que j'ai perdu entre dans le bail. On perd 17 points. 17 points! Le record mondial. Dis-lui, ne pas meurtre. Ah, dis-lui, ne pas meurtre. T'es ta mère. Casse-toi de là. Tu bugs là? Dis-lui, casse-toi de là. Ce gosse là, ta mère. Ah, c'est moi. Mec, t'en meurs. Ta mère, la ch'tronque. Qui suis des ch'tronques, les amis. Vas-y, moi aussi, j'ai un sniper. Vas-y, moi aussi, je vais le sniper. Il est passé où? Il est à droite? Ah non, il est là. Il se fait shoot. Dans la maison. Gauche. Il se fait tuer. Sur moi. Non mais là ça sert à rien. Oh, moi aussi.
Attends deux secondes, tapot. Ah, il s'est fait toucher normalement. Un KO. Oui. Il me restait 4 SP. Attends, pourquoi je pourrais prendre 10 stats, s'il te plaît, j'ai plus de balles de PM, j'en ai 0. What? C'est très débat. What the fuck? Je peux me remonter tranquille en réalité sur Snap. C'est lentille. Toi. Non, il pue. Il pue comme toi. Ah, il pue la merde comme toi. C'est la même odeur. Tu vois. Il n'y a que des tu vois. Là, faudrait partir là. J'en ai. Tiens, mange. Attends, je t'avais passé une. Tiens, mange. Tu vois. T'aurais de la construire? Ouais, j'en ai. Non, toi. Toi. Ouais. Bah, il y en a plus. Parce que moi, il en avait. Ouais, bah, elle est sauvée. Moi, j'en prends pas. T'es sérieux? T'es un connard. T'es le plus gros des connards, des connards. T'es un gros suspect, ta mère, ouais. Bah oui, vu que moi c'est un gros, ça fait pas une semaine que j'ai passé une semaine. Même un peu plus. Toi, est-ce que là maintenant, par exemple, tu peux manger normalement? Genre sans avoir mal. Mais viens former de la construction, gros con, là, on a une arène, on n'est pas chez ta mère. Putain, connard, t'es mort, va. Tu parles à moi? Tu parles à moi comme ça? Tu parles à moi comme ça? Bah, nique ta mère, là, je trouve. Putain, mais ta mère lâche tout. Bah, moi je suis full bois, full pierre. Je suis full bois, full pierre et j'ai 200 de métal. Enfin, bientôt 200 de métal. Là, j'ai 200 de métal. Là, faudrait qu'on parte. Regarde où aller la zone. Elle est quand même chez ta mère, donc il faudrait se. Ouais, la pire, mon frère. Ouais, j'arrive le stock. Ah, mais moi, je suis le pire. Surtout à des mecs.
ça va pas tirer. Bah moi j'ai genre avec mon truc visuel ça tirait vers là-bas. Oh mais ça fait vas-y. Saute! Saute, elle tue. Ah il a peur. Ah il a peur. Ah la bolosse. Ah y'a deux mecs, viens, on va les rush. Putain ils sont éclatés ou quoi? D'accord, on mort. Ah c'est moi. Il est bleu sur moi, il a joué. Ah putain, mais pourquoi il est que sur moi? C'est des rats. Ah mais t'as un bullfight. J'ai cru qu'il était resté en bas, lui. Comme une tapette. Non, t'es l'eau. T'inquiète, c'est moi. C'est moi. Mort. Nice, là, on est bien, on a fait quelques. Vas-y, maintenant, faudrait qu'on parte, là. Tiens. Non mais t'inquiète c'est bien. C'est à moi? Ah je suis parti gros. On n'est pas parti du même côté. Et sur moi des mecs. Oui, sur moi, ça me rush. Sur moi. Bah moi aussi. Touché, touché. Oh, si, 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 sur moi. Quoi? J'ai mis un 136 et après ça a bugué. C'est quoi ce chinois? T'es mort. Bande de chinois, t'es mort, va. T'avais un kill ou pas? Ah bon? T'as un kill? Espèce de Nico programmeur. Nico. Nico la plus adulte. Puis je vais aller au bras après. Oh le poste de combat de la saison 9 il va être gratuit. De la saison 10 peut-être. Regarde, vas-y, tu l'as. T'es pas les combien? Regarde sur les skins méta. Toi les skins de la femme la grave sexy. Appuie sur carré, regarde l'aura des défis de Sims Effort. Et peut-être le poste de combat de saison 10 il sera gratuit. Des skins meuf la grave sexy qui a un gros cul méta. Ouais voilà. Et bah quand tu appuies sur carré
Après, tu vois à droite, là, marqué débloquer défi ultime effort saison 9. Donc, peut-être la saison 10. Gratuitement. Ah, gratuitement. Take my heart, nanana. Imagine, on peut gagner 1000 V-Bucks. 1 million de V-Bucks. Mais couvrir une bite. Je t'achète une bite. Bah ouais, mais c'est vrai, t'es une meuf. C'est vrai, t'es une meuf, ça m'a pas. Du coup, faudrait que je t'en achète une. Oh, tu lui mets trois têtes, il est pas mort, cochon. Ah, mais c'est normal, on était au lobby. Viens, on va. Où tu veux. Dans ton cul, où tu veux. Terrain de cross. Du coup, tu peux m'envoyer une photo de ta bite, Joël. Ok. Oh, il y a Kenny. Ah ouais, dommage. Ça semble les couilles. Oh, le but c'est un, t'as une vie, t'en as pas deux. Le but c'est de profiter de quoi. Donc, si t'as envie de mettre une grosse fesse à une meuf, bah tu lui mets. Imagine, tu vas le faire. Bah, arrêtez, tu peux. Hein. Parce que t'as qu'une vie et faut profiter de la vie. Bah, oui, il a un pont. Ta mère. Toi, ça se voit, t'as pas une vie, toi, t'en as deux. De décryptage, tu apprends même pas. C'est quoi ce con? C'est quoi ce con? C'est quoi ce con? C'est quoi ce con? Dans la boîte de ta mère, de ton père, de ton frère, ta soeur, la connasse. Grosse pétasse. Il a cru que ça allait nous impressionner, ces grenades-là. Bim! 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 Je t'avais dit, il n'y en a pas une, il y en a deux. Bah, c'est pas qu'à 10-0. Non, mais je te l'avais dit, il en a deux. Je te l'ai dit, il en a deux. Tout le monde a une vie. Faut profiter de la vie, t'en as une. Et lui, il en a deux. C'est plus de chance. Bien, mais le même skin, vas-y, je vais mettre le même skin. Tu l'as mis face combien? What? Il s'est lancé tellement vite! Et j'ai mis presque à lancer! Bah, mon live, il sert à rien, frère, la personne sur mon live. Moi aussi! Arrêtez, j'avais personne. Bon, bah, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ah. Oh, il a fait une pub pour un abo. Yo les potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo pub. C'est-à-dire, allez vous abonner à Dino Divail. Ça le fera grave plaisir. Ça le fera grave plaisir. Par contre, ouais. J'ai mis ton lien dans la description, mais je sais pas si t'es une fille ou un garçon. Donc si t'es un garçon, je te dis, ça te fera grave plaisir.
J'espère vraiment, si je te dis que t'es un garçon à la place que t'es une fille, j'espère vraiment que tu me pardonneras. Parce que je sais pas. Je te pardonnerai pas. Je sais pas. J'espère vraiment que tu me pardonneras. Donc les gars, allez bien. Ça lui ferait un nez dans plusieurs. Il est trop marrant ce mec. Take my heart, oh, non, non. En plus, cette calamité, elle va bien avec la chanson que je chante. All time, oh, non, non. Oh, les pompes de guerre, il a moi. D'accord, il a toi. Je me tire. Je me tire de ton bâtiment. Tête-moi, oh non, non, non. C'est Fortnite. Ah, mais t'es allé dans l'hôtel en plus, t'es sérieux? Bah la pioche elle fait plus de dégâts, le pompe il fait 10-18, la pioche elle fait du 20. Vas-y je vais rush. Regarde-moi. Quoi? Moi j'ai un choc de merde. Putain, non. Pourquoi on arrête nos lives là? Moi, il n'y a personne perso. Allô? Bah frère, moi la personne pour l'instant. Pourquoi tu faisais que te mute là? Je te mute, tu démute. Oh. La cour, maintenant tu arrêtes, sinon je te le dis ta mère. Vas-y, moi je pense que je vais arrêter moi et frère, ça m'a cassé les couilles, y'a personne.